Bonjour à tous, c'est une ouverture prudente à la Bourse de Paris avant le verdict de la Fed ce soir sur ses taux. Dans l'actualité, Essilor qui poursuit son renforcement par acquisition, le groupe a annoncé ce matin 8 opérations dans le monde, représentant un chiffre d'affaires cumulé d'environ 30 millions d'euros. Et puis Hermès qui poursuit sa bataille judiciaire contre LVMH, le groupe aurait ainsi insigné son rival et actionnaire indésirable devant le tribunal de commerce de Paris, d'après des sources citées par Les Échos. Un œil enfin à Soitec, une augmentation de capital est en vue pour participer au refinancement de l'Océane 2014. Alcatel-Lucent va présenter ce matin son plan stratégique de moyen terme et en amont, l'équipementier a dévoilé dès 7h ce matin les grandes lignes de ce programme baptisé Shift. Il vise à transformer l'entreprise d'un généraliste à un spécialiste des réseaux IP et de l'accès très haut débit mobile et fixe. L'objectif est que son cœur de métier affiche en 2015 un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros et une marge opérationnelle de 12,5%. Le groupe va en parallèle insister sur la trésorerie et la rentabilité des activités d'accès mobile et fixe. Voilà, c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à midi.